Je suis Anne Sylvester, photographe, et je suis marié, j'ai une fille, et j'habite en Provence, et j'ai beaucoup voyagé, et je suis d'origine de la Forêt-Noire. Et donc c'est un grand changement de la Forêt-Noire en Provence, qui est très important pour moi. Je suis né en 1938, donc j'étais tout petit quand la guerre était finie. Et c'était un temps vraiment très dur en Allemagne. C'était très compliqué, tout était compliqué. Il y avait l'occupation française. Et moi, je faisais partie d'une bande d'enfants d'HLM, comme ça. Et là aussi, c'est ma mère qui était très tolérante, qui a permis que je peux vivre ça. Et on a fait des conneries monumentales, quoi. On a eu vraiment... On a fait des trucs terribles. Et bien, pour citer juste un exemple. Par exemple, on s'est jeté devant les camions français d'armée et on les a vidés. Quand on a su qu'il y a de la nourriture dessus, on a choisi des chauffeurs noirs parce qu'on savait qu'ils ne peuvent pas tirer sur les enfants. Et on avait faim, hein. On a arrêté les camions en se jetant devant et les copains sont sautés dessus, on les a vidés. Bien, faire des conneries comme ça, ça a des conséquences quand même très, très dures, quoi. Mais c'était une ambiance un peu de après-guerre, un peu folle. Les hommes, ils n'étaient pas là. Tous les hommes, ils étaient soit morts, soit prisonniers. Donc c'était, la rue, ça appartenait aux enfants. Les femmes, ils avaient peur d'aller dans la rue. Et donc, c'est une situation difficile. Et si je le vois d'aujourd'hui avec la distance, j'admire vraiment ma mère qui m'a laissé faire toutes ces conneries. Enfin. Il y a les mauvais gens qui prennent les mauvaises décisions en permanence. Et ici, vraiment, dans le pays des souris, c'est un exemple. C'est des bureaucrates qui prennent des décisions pour ici. Ils sont venus une fois, une semaine, et ils pensent qu'ils ont tout compris. C'est l'échec total. Bien, c'est un exemple, mais c'est à tous les niveaux comme ça. Tous les gouvernements, c'est les mêmes défauts, c'est les mêmes problèmes. C'est un peu terrifiant. Il y a un manque de sagesse totale dans tout ce domaine de pouvoir, quoi. Et voir ça de près, en permanence, c'est très décourageant, vraiment très décourageant. Et moi, je l'ai observé en voyageant un peu partout, quoi. On parle toujours des bonnes paroles, et si on regarde de près sur place, les effets, c'est le contraire de ce qu'on dit. Un souris, il ne comprend pas le mot de travail, il vit. Et moi, c'est un peu la même chose. Je fais des choses, c'est du travail, c'est sûr. Mais pour moi, ce n'est pas du travail, c'est une activité. Et je trouve qu'il y a une différence entre les deux choses qui sont très, très, très importantes. Moi, je peux travailler 24 heures. Il n'y a aucun problème pour ça. Je peux travailler pas du tout pendant des journées. Je ne suis pas maître de ça, travailler. Si je ne suis pas en forme, je ne sais pas travailler. Il y a des jours, je me lève... Et je sais qu'aujourd'hui, c'est raté. Je ne vais pas faire des photos. Je le sais. J'en fais quand même. Et là, ça devient du travail. Et après, je suis obligé de les jeter tous, quoi. Et c'est... Le travail n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas le mot pour ça. C'est une activité. Une activité qui me convient, qui est passionnante, qui me plaît énormément. C'est très difficile parce que je n'ai pas envie de me séparer de tout, quoi. C'est une décision possible. À un moment donné, j'ai pensé même à ça. Faire mon propre jardin, vivre avec ça que je produis, et faire un reportage ou un livre, vraiment d'expérience. Comment on peut faire autrement? Mais bien, ça c'est des moments comme ça, on pense à ça. Mais après, on a quand même envie de prendre l'avion et pour voir... autre chose, quoi. Donc, non, je suis comme tout le monde, quoi. Je consomme,
beaucoup trop. Et le problème est vraiment la consommation, quoi. Si je pense ça que je voyage et toutes les facilités que j'ai, ça représente en pollution, en folie, quoi. C'est inquiétant. C'est qu'en diminuant le nombre d'hommes qu'on pourrait arriver de vivre dans ce confort et avec cette consommation. Ça, je suis persuadé.